Bonjour à tous, je m'appelle Julie Clémentier, j'ai 23 ans et je suis la candidate numéro 9 pour l'élection de Mister Andy qui se déroulera le 29 juin prochain à Nancy. En parallèle, je suis également étudiante à l'E2SE en Master Manager Marketing de la Performance Commerciale et je développe mes compétences au sein de l'entreprise Beau Concept spécialisée dans l'ameublement d'intérieur. Alors disons que ça demande beaucoup d'organisation, il faut savoir jongler entre l'école, l'entreprise, mais également la participation au concours de Mister Mandy. J'ai de la chance d'avoir une entreprise et une école qui sont très conciliantes et qui m'accordent énormément de temps pour que je sois présente à un maximum de rendez-vous avec le comité. C'est l'expérience d'une vie, si je peux dire, c'est une aventure riche en émotions. Alors, à la suite de mes études, je souhaiterais trouver un emploi qui me passionne, toujours dans le secteur du commerce, avec la possibilité d'évolution. Je souhaite également m'engager dans des causes qui me tiennent à cœur et qui peuvent contribuer à un changement positif pour la société, que ce soit des causes sociales ou également environnementales. Alors j'ai décidé de m'inscrire à ce concours tout d'abord pour représenter avec fierté ma région. On dispose d'un patrimoine historique riche qu'il est important de mettre en valeur lors d'un concours comme celui-ci. C'est également pour moi l'opportunité de sortir de ma zone de confort, de me lancer un nouveau défi. En tant que grande timide, je pense qu'il n'y a pas plus beau challenge que celui de Mister Mandy pour gagner confiance en soi. Et surtout, c'est grâce à l'une de mes meilleures amies qui a elle-même participé au concours en 2020 et par solidarité, on s'était dit que si l'une d'entre nous le faisait, l'autre devait également essayer. Vous l'aurez compris, je suis ici pour honorer ce challenge. Absolument, dyslexique depuis l'enfance, ce trouble de l'apprentissage a longtemps été pour moi un obstacle. Aujourd'hui, je veux défier les pronostics et montrer à toutes les personnes qui me disaient que je n'y arriverais jamais qu'ils ont eu tort. Je crois fermement que la visibilité et l'éducation sont primordiales pour combattre les préjugés envers les personnes dyslexiques et je souhaite en faire entendre ma voix et contribuer à un changement positif pour cette cause qui touche en moyenne 8% de la population. Lorsque les 12 candidates ont été sélectionnées, une des candidates est venue me voir et on a appris qu'on faisait partie de la même famille. C'est donc ma cousine éloignée, une jolie anecdote parmi ce beau concours. Alors, en tant que candidate, je souhaite que les gens retiennent ma détermination, que tout est possible lorsque l'on croit en soi et que l'on ose. Gardez bien en tête qu'il faut oser et oser affronter les défis qui se présentent à vous. En vous abonnant à mon compte Instagram, mais également en vous rendant sur place le jour J pour voter en direct, donc le 29 juin, ou alors une semaine avant, votez par SMS et soutenez le numéro 9. Pour terminer, je tiens tout simplement à tout d'abord vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance depuis le début de cette belle aventure. Merci également à mes partenaires Cynthia B Coiffure, Entre Copines, Timekeeping et Greg Studio Coaching. Un grand merci à l'E2SE pour cette belle vidéo et merci à mes proches de me soutenir dans cette aventure.